Yo. Yo. Bonjour à tous. Bienvenue pour un... Comment on appelle ça? Au jeu? Aujourd'hui, j'ai décidé de me défouler sur du Warhammer. Donc... Je vais incarner, comme c'est écrit en bas, le capitaine Titus. Et je vais défoncer des monstres. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Bah, tout de suite, on va se lancer, hein. Nouvelle campagne. En normal. Alors je suis pas familiarisé avec l'univers des Warhammer. Que ce soit Warhammer 40 000 ou Warhammer Warhammer tout court là, je crois que c'est la version médiévale. Mais non, j'ai changé. Attendez. C'est vrai? Voilà, pourtant j'avais fait, ouais. Merci, merci pour la... Ouais, j'avais refresh, et c'est bon, j'ai remis là. Ils en donnent des informations là. Déployer, faire des machins. Je veux bien me déployer. Moi. Quand est-ce que je me pose sur la planète et je botte des culs? D'accord. Donc on doit sécuriser les titans. Je ne sais pas ce que c'est. Et bon, je vais découvrir l'univers de Warhammer avec ce jeu. Vous êtes Titus? Capitaine Titus, les orques ont exterminé les forces du monde Forge. Et ils se sont emparés des armes de défense planétaire. Ces saletés d'orques sont futées. Ils se débarrassent de nous afin de s'emparer des machines de guerre titan. Prêt pour des manœuvres dilatoires. Pilote, au rapport. Le moteur de tribord est mort, sergent. On perd de l'altitude. Mettez le vaisseau à l'abri. On descendra autrement. Oui, capitaine. La Thunderhawk lance de jour retourne à la baie. D'accord, c'est ce que j'allais dire. Si le jeu n'est pas fort, je montrerai le sang. Parce que j'ai baissé dans les options. J'ai réglé ça après ça. C'est là votre plan. On doit atteindre
capitaine. Le codex Astartes n'approuve pas ce genre d'action. Essayez de suivre. Alors, non. Option. Voilà. Que j'ai monté les voiles. J'ai déjà bien bouffé. Pas compris. Sonner un adversaire. Bon, c'est difficile, c'est rigide. Comment on recharge? Oh, il est gros celui-là! Déjà? Ouais, ça se voit que c'est du gameplay à l'ancienne, hein. C'est rigide, on comprend rien. Ah bah voilà, on a détruit leur vaisseau.
Alors, on est mort. Capitaine Titus, répondez. Ces fichus orques ont dévié mon vaisseau. J'ai pas de nouvelles de Léandros. J'intercepte néanmoins des transmissions des forces de la garde impériale au sol. Je ne pensais pas qu'ils étaient vivants. Encore moins capables de se battre. Je me dirige vers les lignes de front. Je vous retrouve là-bas. Alors si les voix sont trop fortes, je peux baisser encore un. D'accord, ça c'est la roulade. Les goulous. Ce serait par là. C'est quoi ça? Appuyez pour prendre le journal audio maintenant pour l'écouter. Travailleurs, rassemblez-vous. Caleb, vous voilà. Les frères Shearing disent que nous sommes attaqués. Ce sont des idiots, Lilith. Ils ont vu des roquettes. Des xénos ici. Ça m'étonnerait. D'accord, donc il y a des trucs comme ça à récupérer. J'ai déjà eu un trophée. Accès autorisé. Que l'empereur soit avec vous, Space Marine. Alors, Bolt. Voltaire ou ouais, Bolter débloqué. Ce Bolter module le Godwin. Et le fusil d'assaut de prédilection des Space Marines. Il tire des munitions explosives autopropulsées. Pour tirer RT, pour recharger RB. D'accord. Ah oui, je peux viser comme ça ou... D'accord, donc pour la voix, c'est bon. Ah ah! Maintenant, j'ai une mitraillette. Ouais, je voulais la faire en anglais, mais c'est une référence, mais je suis nul en anglais. Sont-ils? Être seul au monde, c'est suffisant pour te défendre. Ah, il peut courir, d'accord. Détruisez-les. Voilà.
Docteur Doom. D'accord, j'ai pris des munitions, c'est une cache, Vous êtes blessé. Le codex Astartes déconseille d'utiliser les réacteurs dorsaux pour se jeter aveuglément sur l'ennemi, et à juste titre. Vous n'êtes plus novice depuis bien longtemps. Pourquoi suivre le codex de façon si stricte? Ces règles m'aident et me servent de guide. À nous aussi. Mais il y a aussi des avantages à penser par soi-même, Leandros. Que... Ouais. On a le droit de penser par soi-même et ne pas suivre le codex. Non, je déconne, je sais même pas c'est quoi le codex. Mais bon, je suis assez intelligent pour comprendre que ça doit être une sorte de philosophie qui suive et... sorte de guide, sorte de ouais, guide de leur race en fait, pas spirituel mais genre un truc à suivre. Sidonius a capté des communications locales de la garde impériale. Ils ont survécu malgré la menace du canon. Je veux savoir comment. Une sorte de précepte. Message personnel. Garde Thomas Alexander. C'est l'hiver à la maison. Pas de neige ici en tout cas. Forge attaquée par les orques. Plus haut. Continuez à tirer! Continuez! Sommes les seuls gardes impériaux dans le secteur. La flotte ne sera là que dans 2 semaines. La bataille va être rude. Monseigneur, vous nous avez sauvés. Debout, garde. Vous vous êtes sauvés vous-même. Vous croyez mort? Sans le lieutenant, nous le serions, monseigneur. Où peut-on trouver ce lieutenant? En première ligne. Suivez les tranchées jusqu'au bunker de commandement du lieutenant. Allez-y, garde. On rejoint d'abord Sidonius, et ensuite on trouvera ce lieutenant. Il nous faut des informations récentes sur le canon. Alors, je sais pas si c'est lui
le personnage qu'on joue, c'est par rapport au Space Marine, voilà. Et le fait qu'il nous, qu'il, les mecs s'agenouillent, nous commencent à nous appeler Monseigneur et tout ça. Par ici, mes seigneurs. Allez, ouais, mes seigneurs, ouais. C'est... est-ce qu'on serait une sorte de... Remarquable. D'armée. Quelques centaines contre un million d'orques, et ils résistent. Quoi? Le devoir ne cesse que dans la mort. Lâchez-moi! Mes jambes! Je sens plus mes jambes! J'aurais vu un Space Marine avant de mourir. Empereur Dieu, protégez ceux qui se battent en votre nom. Ouais, je suis pas... je connais pas les... de Warhammer et tout ça, donc je connais pas l'univers. Je me suis rappelé que j'avais ce jeu-là, en fait, et comme je regarde des vidéos en ce moment de... d'AlphaCast, qui peint des figurines Warhammer, je me suis souvenu... Je suis en position près d'un monument en ruine et des rangs de la garde. Je me suis souvenu que j'avais le jeu et je me suis dit, bah, voyons voir de quoi ça s'agit, en fait. Sergent, je vois que vous avez trouvé de quoi vous occuper. Pas d'inquiétude, capitaine. Je vous ai gardé quelques orques. Il semblerait bien que les orques protègent efficacement ce canon. C'est pourtant contraire à leurs habitudes de ne pas avoir démonté ou détruit cette arme. Tout comme de l'utiliser pour tenir nos troupes à distance. C'est un comportement stratégique. Leur chef n'est pas idiot. Les choses deviennent intéressantes. Ouais. Ils ont peut-être rencontré cet orque lors du saut vers la surface. C'était sûrement le vaisseau orque que j'ai vu s'écraser pas loin d'ici. Il a survécu. Si la Horde n'a pas sombré dans le chaos, c'est qu'il la contrôle encore. Scanner génétique terminé. Adeptus à Sartène. Autorisation arme confirmée. Par ici. Ouais, si les orques qui sont censés être un peu débiles... Oh, les pétronçonneuses. Ah oui, non, l'épée tronçonneuse, je suis désolé. La claque. Allez, les gars, en route. Je doute que je puisse monter, donc je peux pas aller te chercher. Ah! Droite ou gauche? J'ai tendance à choisir la droite. Visez ce squid! Space
Y'a plus personne à l'avant-poste. Y a rien. Allons sur la gauche. Oh, comment elle allait en lourd. Tant mieux. Là, je vais peut-être mourir là, non? Tendu. Oh là, je vais mourir. Ah bah, je suis mort. Je sais plus, j'ai vu qu'il y avait des trucs à faire au début, mais pas des trucs à faire, mais des... d'autres options en fait. Et la COP, je sais pas si... Voici le...
Je sais pas, peut-être en multi, je sais pas comment c'est, si c'est du coop, si c'est de l'affrontement. Une idée. D'accord. Faut regarder sur la page de Steam en fait. C'est passé. Garde impériale, nous sommes des Ultramarines. Ouvrez la porte. Space Marines. Ah merde, faut rentrer. Une autre horde de peau verte va bientôt arriver du sud. Un maudit Grey Chin a tranché la gorge de Saul il y a deux jours. Les éclaireurs rapportent que le secteur 31 a été entièrement bombardé. Pas de survivants. Juste des barrages. Renforcez leur position. Tenez la ligne. Restez en vie. Oui, lieutenant. Loué soit l'empereur. Second lieutenant Mira, du 203e régiment cadien. Capitaine Titus, des Ultramarines. C'est vous qui commandez ? Il n'y a plus que moi, monseigneur. À moins que mes commandants ne reviennent d'outre-tombe. Pour l'instant, ils semblent préférer la mort. Lieutenant, les éclaireurs sont de retour de la base avancée. Combien sont-ils ? Deux. Bon sang, j'en ai envoyé 10. Ce satané canon. On n'est pas assez nombreux pour lancer un assaut. Et comme vous avez pu le voir, il abat sans répit tous nos vaisseaux de soutien. C'est pour ça que nous sommes là. Laissez-nous le canon. Alors suivez-moi. Je ferai mieux de vous avertir. On a un petit problème avec les orques ici. Non mais sérieux ? Ils font des blagues sur blagues sur blagues ? D'un moment. Ramasser le sceau de pureté. Fureur débloqué. Fureur débloqué. Gagnez désormais de la fureur à chaque fois que vous infligez des dégâts à un ennemi. La jauge de fureur pleine utilisée. Passez en mode fureur. Vos attaques au corps à corps sont améliorées. Et vous regagnez de la santé. Que savez-vous des titans de cette planète ? Seulement que nos troupes ont été envoyées pour protéger le titan Invictus au Manufactorum à Jakis. Mais c'était il y a 2 semaines, et nous avons perdu tout contact. Nous devons atteindre ce titan. Le chemin le plus rapide est de passer par le pont derrière le complexe d'armes. Il mène directement aux portes ouest du Manufactorum. Ah oui, c'est Auric. Trouvez-moi le manuel. Coincé sur ce maudit monde fort, j'ai pas un seul technogure en vue. Waouh, c'est quoi ça? Des transports d'autres.
J'aime la découpe. Alors, on va prendre des grenades. Grenade. Qu'est-ce qu'ils font là? Casser le canon. Il n'y a pas d'eau. Oh là là. Hop, comment ça dé... Oh là là. Oh la jouissance. Les orques tiennent les tranchées par-delà les ruines et les remparts plus loin encore. Parlez-nous du canon. Les orques... Je suis désolé les gars, mais je vous prends. Ici, il y a bientôt deux semaines. Notre unité est la seule à avoir pu accoster avant qu'ils ne prennent le contrôle du canon. Maintenant, aucun de nos vaisseaux ne peut se risquer à passer. Auteur sur le cœur débloqué ce en modifié d'un tracker et de fusée. Cette précision faire tomber des ennemis de très loin. C'est comme un fusil d'assaut. Arme de sniper. D'accord. Ah ok, j'ai bloqué le sniper. Pas récupérer le... On va sniper. C'est par là que les orques ont pu accéder au canon. On n'a pas été en mesure de franchir le mur. On n'est pas assez nombreux pour ça. Vous avez survécu tout ce temps seul, lieutenant. C'est honorable. Mais vous n'êtes plus seul. Nous allons reprendre le canon. Vous aurez droit à vos renforts. Je compte sur vous, capitaine Titus. Ah
Il passait où mon sniper? Pas piqué. Oh bah j'ai plus mon sniper. Super, il te donne une nouvelle arme. Fait une cinématique et après il te l'enlève. Attends, jamais tu crèves toi? Ah merde, j'ai coupé la conversation. Emblée, bande de vilains. Message personnel, garde Alexander. Je serai bref. Les orques nous massacrent. Nous sommes complètement submergés. À chaque fois qu'on en tue un, c'est comme si 12 autres prenaient sa place. Mon ami Garrett. Un orque lui a coupé la jambe et il s'est vidé de son sang. Je n'ai rien pu faire. Les officiers sont morts. Un sous-lieutenant a pris le relais. Elle essaie de nous guider. Attendez. On se déplace. À bientôt. Une fois ces remparts franchis, nous utiliserons la brèche percée par la roquette pour entrer dans la forteresse. Bon, j'ai repris des grenades, mais j'en avais déjà. Alors, sur qui? Bon, le canon, c'est à nous?
ramasse encore des munitions. Bon, je peux en avoir combien, mais. De toute façon, vu que je vais pas revenir en arrière. Les câbles. Capitaine, des modules de soutien d'assaut ont été largués dans cette zone. Ouais, j'ai des réacteurs maintenant. Réacteur dorsaux. Occupez-vous du haut, capitaine. On se charge des orques en bas. J'entends quoi par où ? Mais non, c'est pas là que je voulais faire. Tire de où lui? Ah là-bas. Oh, c'est autre chose que le fusil tronçonneuse de God of War. Comment c'était God of War, ouais. Non, pas God of War, Gear of War. Oh merde, c'est un chien. Vous allez crever. Par ici.
pensais qu'un chemin. Je vais rejoindre mes collègues. Pas de place pour ce réacteur dorsal. Cette fichue roquette leur a ouvert les portes de la forteresse armée. Suivre les câbles. Ces gardes ne pourront pas survivre aussi longtemps. Il faut à tout prix trouver un moyen de détruire le canon. Ah, un nouveau truc. Un canon vengeur. Ça m'a l'air intéressant. Alors, tirer, d'accord, et déclencher. D'accord. Vengeur. Expérimental réservé aux fusion qui a déroulé l'armure. D'accord. D'accord. Une armurerie, ça va forcément nous être utile. Pas ouf. L'arme n'est pas ouf, mais bon. Isolation en vigueur. Regardez, capitaine. Décharge à fusion. Il suffit de placer ces engins au bon endroit pour anéantir toute la forteresse. On pourrait poser la charge sur un des obus du canon. Leandros, vous faites la fierté du chapitre. Sécurité désactivée. Bon, j'ai été un peu nul. Avec le deal. Oh, c'est jouissif quand même. Le découpage est jouissif. Ouais. Accès limité au fond.
Ils sont pas prêts d'être à court de munitions. Puis pour prendre le journal. Ah oui. Ok, ouais, c'est pas... C'est pas fou. Ouais, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Là, tu peux... D'accord. S'obtient dans le sang, le vôtre ou celui de l'ennemi. J'ai voulu esquiver, mais j'ai touché le mon dernier coup de mon épée en fait quand j'ai tapé le coup comme ça. Je sais pas, il y a un coup qui a touché le. Bon allez, il retourne. Plus que ça pour tuer un or. Merde, j'ai perdu le truc. Merde, j'ai jeté une grenade. Ah, quel con. Ah, j'ai un autre fusil, bah c'est cool. Ah oui, j'ai mon sniper, j'ai l'autre. Ah oui, c'est... Ah d'accord. J'ai mon épée, j'ai ma traillette. C'est bon. Allez les gars, progresse. Ah oui, je savais pas que j'avais autant d'armes sur moi. Par contre, j'ai plus de vie. Ah bah oui, mais je suis con en fait, j'avais des grenades.
Bah mettons l'obus. Et l'obus, hein. Voilà. Je vais poser la charge sur cet obus. Maintenant, mettre l'obus en place. C'est chargé. Avec un peu de chance, les orques le mettront dans la chambre du canon. On ne peut pas compter sur la chance, Sidonus. Il faut suivre cet obus et veiller à ce qu'il atteigne sa destination. Ok. On retourne à l'ascenseur. L'ascenseur, il était là-bas. On se met à couvert. Tapant. Ah non, merde, il y avait une exécution à faire. Bon, bah tant pis. Dommage. Attention. Ce n'est pas un exercice. Ok, nous, au lieu de récupérer le canon, on explose le canon. En même temps, c'est pas d'un autre côté, c'est pas con. Ils peuvent plus l'utiliser. Mais bon, nous non plus. À fond. Ah ah! Où est le bon de ville? Allez les gars, on continue.
Dépêchez-vous les gars, on y va. Pistolet, d'accord. Ah et ça c'est le canon vengeur. C'est dans notre dos les gars. Saut de pureté. Mode tireur d'élite. La fureur vous permet désormais de passer en mode tireur d'élite. Le temps ralenti et vous pouvez ainsi tirer avec une précision mortelle. Passer en mode fureur puis. D'accord. On est de l'autre côté, les gars. Voilà. D'accord, donc maintenant j'ai débloqué le truc pour taper avec le truc, tirer avec la traillette. Ouh les salauds. La victoire s'obtient dans le sang, le vôtre ou celui de l'ennemi. J'ai fait des bêtises, j'ai fait n'importe quoi. Le mode avec pour tirer là, mode bullet time, c'est de la merde. Sortez les flingues. Les orques ont sorti de la chaîne. Alors il faut les remettre. Léandros, mettez l'obus dans ce chargeur. Je vous couvre. Positionnement de l'obus. On est visé.
une issue. On se casse. Bah ouais, c'est compliqué quand même. Les gardes auront leur ravitaillement maintenant. Capitaine Titus, vous êtes un homme de parole, monseigneur. Merci. Quelle est votre situation, Yann? Nous regroupons nos blessés et avançons vers le bloc d'habitation Andris pour établir un avant-poste. Sans canot, notre vaisseau de soutien va pouvoir s'y poser. Très bien. Mes frères d'armes et moi devons nous emparer de tous les titans opérationnels avant que les orques essayent de les récupérer. Bonne chance. Ouais, je fouille un peu partout. Ah, yeah. Non, vu le déplacement du personnage, et je fais pas une fouille minute. Allez. Ce pont est un testament de la puissance de l'Imperium. Les Adeptus Mechanicus sont des maîtres architectes. Leurs travaux leur ont survécu. Qu'ils font eux, ils peuvent se battre contre nous et ils se battent contre eux. Yeah.
profonde blessure au bras. Empoisonnement. Ça a été fait au Kikou. On ne peut pas empêcher la septicémie. Contentez-vous de le soulager. Vous avez déjà vu ce genre de blessure ? Oui, lors de la première invasion orque, et j'espérais que ce serait la dernière. Mais en revoilà une autre. Bon, à qui le tour ? Les orques. Je dirais pas qu'ils sont pires que les nains, mais quand même. Oh putain, les mecs sont balayés. Arrêtez ce bélier ! Délai avant impact, pas plus de 6 minutes. Ça suffira. Allez, découpage! Ah, ça fait plaisir quand même. Et d'accord, je viens de comprendre un truc, quand il y a une exécution, on gagne de la vie. Délai avant impact. Moins de 4 minutes. Nous devons nous occuper de cette mission.
tirs de Molter ne pénètrent pas son barrage. Ces trains ont des tourelles de défense. Il y a une arme lourde droit devant. Alors en avant. Couvrez-moi pendant que j'atteins cette arme. Holder, laisse-moi. À gauche, là. Allez, on fonce. Que je visais. Il faut qu'il arrête de me tirer dessus, je vais mourir. Ah oui, non, mais je savais pas qu'il y avait un monstre qui sortait aussi, les gars. Venez. Et où? Bah, j'aurais peut-être dû la laisser fixe. Arme. Parce que putain. Je suis pas doué.
Ah bah je l'ai eu. Factorum tient encore. Des unités de la garde impériale sont bien arrivées jusqu'ici. Elles ne tiendront plus longtemps. Dépêchons-nous. Ce cervocrâne, que fait-il? Il tente de transmettre un message. Il doit être cassé. Le sceau de l'Inquisition. Intéressant. Qu'est-ce que l'Inquisition fabrique ici? On le saura très bientôt. Ici l'Inquisiteur Drogan. J'ai besoin d'aide en urgence au manufacturier Majakis. Il convoite le dispositif. Le dispositif est à l'abri pour l'instant. Je les ai chassés. Mais me voilà piégé. Si je meurs, il faut éviter que l'ennemi s'empare du dispositif. Ou il deviendra invincible. Il me fallait plus de temps. L'arme était presque prête. Une arme expérimentale. Nous devons trouver l'Inquisiteur avant les orques. Avancez. Restez sur vos gardes. Servez le dieu machine en rejoignant les équipes d'enlèvement des corps dans votre centre d'évacuation dédié. Le dieu machine ? Activez la grue. Message personnel. Garde Alexander. La journée a été bonne. On chassait les orques d'une fonderie quand on a entendu du bruit dans la chaudière. Heureusement que je n'ai pas lancé de grenade. Elle était pleine de civils apeurés et affamés. Certains n'étaient que des enfants, mais ils étaient vivants. Ça nous a remonté le moral. Ça nous donne une raison de combattre. Il faut qu'on tienne les orques à distance.
déçu. J'ai voulu faire une exécution sur le gros et il y a un... Je sais pas pourquoi il y en a un qui s'est mis entre nous et... Bon, c'est pas grave. Il fait me tirer dessus, un Space Marine. Oh, joue le rigolo. C'est qui lui? Alors on réussit à faire fonctionner ce canon. Il suffira d'un seul tir pour faire exploser les portes. On ne peut pas les laisser faire. Ça, c'est de la jolie explosion. Ici le capitaine Titus des Ultramarines. Déclinez votre identité. Ici le caporal Antioch, monsieur... Enfin, monseigneur. J'ai besoin d'accéder au Manufactorum, caporal. Il y a un ascenseur dans le hangar, sous la charge que vous avez lâchée, monseigneur. Nous vous y rejoignons. Tenez-vous prêts. Nous arriverons sous peu. Terminé. Détruire le pont d'accès, ce qui rend la supériorité numérique des orques inutile. D'accord, il me donne toujours ce truc là, mais j'aime pas. Donc un système de couverture, la guerre au phare, autre jeu du même acabit, mais l'univers a l'air cool. Mais bon, je me vois mal pour y jouer, m'acheter des figurines, les construire, les peindre pendant je sais pas combien de temps avant de pouvoir jouer.
Oh, moi j'hésite pas, j'ai vu tout le monde qui était là, j'ai vu que c'était des mecs avec des armures jaunes. Je me suis dit, c'est eux qui tirent, on balance des grenades. Caporal Antioch, on est en position. Parfait, capitaine. J'envoie l'ascenseur tout de suite. Des orques. Une horde entière. Retenez l'ascenseur. Des orques arrivent. Tâche énergétique, autour un champ magnétique, somme les qui assènent des coups dévastateurs. Ça peut... Une autre patte. Je comprends rien à ce qui se passe. Je suis à deux doigts de crever. Oh non, il m'a tué pendant que j'étais en train de faire une exé. Je suis déçu. Là, je suis déçu. Je me suis dit je vais faire une exé, je vais reprendre un peu de vie quoi. Je peux pas acheter des figurines et y jouer, je suis tout seul. L'ascenseur est par là. Caporal Antioch, on est en position. Et quitte à jouer avec un jeu de plateau avec des figurines. Bah, je préfère Heroclix. Moi, c'est l'univers de Marvel. Là, faut tout réapprendre. Une horde entière. Retenez l'ascenseur. Des orques arrivent. Yeah.
Antioch? Oui, monseigneur. On raconte qu'il y aura un inquisiteur à l'intérieur du Manufactorum. Oui, le seigneur Drogan. On ne l'a pas vu depuis plusieurs... Ah, c'était ça le censeur. La flotte de libération est là, monseigneur? La flotte est encore en chemin, caporal. Les Ultramarines sont là en avant-garde, pour neutraliser l'ennemi et sécuriser les biens les plus précieux. Je vois. Mais le complexe et ses titans sont toujours à l'abri, n'est-ce pas? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aucun orc n'a franchi cette porte, monseigneur. Contactez le lieutenant Mira. Son unité établit un bastion dans le centre d'habitation Andris. Votre vaisseau de soutien peut désormais approcher sans encombre. Et le colonel et son équipe? Ils n'ont pas survécu. Oui, c'est vrai. Ah, c'est bien là, sûr. Monseigneur. Bien sûr, merci, caporal. Tant que ça a été inventé, il... et que ça existe. Il y a toujours des mecs qui en vendent. Même si c'est plus fabriqué, je pense que c'est toujours vendu. Transmission codée de l'inquisiteur Drogan à l'inquisiteur Seigneur Sharp. Comme nous l'espérions, le monde Forge Graia est l'endroit idéal pour me concentrer sur mon travail. Bien qu'utile, les technogures de l'Adeptus Mechanicus sont toujours très curieux. L'intérêt peut facilement se transformer en interférence. Je serai prudent si je dois les impliquer dans mes expériences. Du moins, pour l'instant. Ouais, c'est vrai que j'ai pas utilisé cette arme-là. Bon, c'est pas grave. Dans le combat. Avec les vagues de monstres, ça j'ai pas pensé. Enfin, un endroit que les orques n'ont pas profané. Ça viendra. À mon avis, même si vous lâchez ce canon sur eux, les orques ne reculeront pas. C'est vrai. On doit trouver l'inquisiteur et le titan Invictus. Ne vous souciez pas des événements qui se déroulent à l'extérieur. Tiens, en plus, le fonctionnement des Heroclix, c'est comme que j'ai compris, c'est comme les Warhammer en fait. Un certain nombre de points et tu dois choisir tes troupes, tu dois te faire une équipe avec le nombre de points que représentent tes personnages. Donc si tu veux prendre que des personnages entre guillemets pas fort mais un peu parce que t'as des personnages communs, peu communs, rares, très rares, exotiques, machin, si tu veux mettre que des persos exotiques, élites, machin, ça va te coûter plus cher et t'en auras moins que quelqu'un qui va jouer avec des peu communs, rares ou... Mais oui, ça existe. On peut toujours en avoir quelques stocks sur le... Des gens qui en possèdent et en vendent, sur le Bon Coin ou sur eBay. Faudrait que j'aille faire un tour sur le Bon Coin pour voir s'il y en existe. Au moins, le Titan Invictus n'a pas l'air endommagé. Gundam. Des centaines de personnes pour manœuvrer un titan de guerre, sergent. Sinon, il reste immobile. Ah, donc c'est pas un Gundam. S'il faut des centaines de personnes pour le faire marcher, c'est une sorte de bateau, quoi. Enfin, c'est comme un... Capitaine, c'est une station augure. Je peux chercher des signes de vie de l'inquisiteur. C'est ça? Là, un humain seul. Identité confirmée. Drogan, Ordo Xeno. Il est dans cette aile du Manufactorum. Je capte des signaux Xeno dans tout le complexe. Et un grand nombre converge vers l'endroit où se trouve l'Inquisiteur. Allons-y! La section 449
Leandros, vous pouvez contacter nos autres unités avec ça? Pas directement, mais je peux augmenter la portée de la voix. Allez-y. Accès autorisé. Chapitre Ultramarines. Ici, capitaine. Ultramarines, ici Titus. Vous me recevez? Capitaine, ici le sergent Midas. L'escouade Solinus est au sol en direction de notre objectif. Changement de plan. On a trouvé le Titan Invictus au Manufactorum Ajakis. J'ai besoin que Solinus sécurise l'Invictus pendant que je m'occupe d'une urgence. On arrive, capitaine. Terminé. Eh ben, curieux. Je suis Drogan. Et vous êtes? Le capitaine Titus, des Ultramarines. On a reçu votre appel d'urgence, mais vous semblez avoir essuyé l'attaque ennemie. Je suis à la fois un scientifique et un soldat, capitaine. Dans quel état est le dispositif expérimental? La source d'énergie? Elle alimente tout le Manufactorum depuis la salle du générateur. C'est une source d'alimentation, pas une arme? C'est un dispositif complexe et particulièrement instable. Si les orques le trouvent, ils essaieront de le démonter. Et il pourrait exploser avec assez de force pour détruire la planète entière. Alors il faut le mettre en lieu sûr. Et pour cela, capitaine, j'ai besoin de votre aide. Suivez-moi. Vous êtes blessé, Inquisiteur Drogan. Je suis un psycheur. Grâce à mes capacités psychiques, je contrôle l'hémorragie. Très bien. Wow. Forme de Big Bédo. Et que c'est un badasson. Oh là. Oh bah c'est lui. Space Marine, t'essaierais pas de piquer mes titans? De piquer mon putain? C'est quoi ça? Déchiqueter les entrailles.
Je sais même pas si j'ai touché. Allez, on progresse. Continue. Non. Par là ? Non. Par où ? Ouais, c'est par là. Mais c'est arrivé, Drogan. Tiens, qu'est-ce qu'il me propose ? Faites marine reconnue. Accès complet autorisé. Pistolet à plasma ? Alors, le pistolet à plasma MK2. Des boules de plasma à fusion. On peut envoyer des rapides, des charges. Voilà, on doit atteindre cet ascenseur. Est-ce qu'on peut aller ? Hey, je sais qu'on doit aller là-haut, mais... Bien gentil, bah on retourne en arrière. Ah, par ici. Space Marine, quand ça court, Boss, te réserve un accueil chaleureux.
Y'a pas à dire, j'aime bien les jeux où il y a une exécution. Dites-moi, ce complexe est-il encore profond ? Le Manufactorum ? Oui, très profond. En fait, la salle du générateur est suspendue au-dessus d'un conduit de ventilation. Suspendue ? Oui. De cette façon, si jamais une surcharge catastrophique survient, toute la pièce peut être envoyée dans les profondeurs. Pardon. C'est aussi glacial que le sourire d'un Space Wolf. Oui, une partie du dispositif est opérationnelle. Oh, pas ici. Entrez dans la pièce principale. Il nous suffit de prendre la source d'énergie située dans le noyau du générateur. Je vais lancer le découplage depuis une console de commande. Compris. Mes frères, gardez les points d'accès. Ouais, là il va y avoir du combat parce que vu que je suis tombé, sécuriser la pièce, je peux pas revenir comme je veux. Voilà, le premier bouclier est ouvert, capitaine. Allez dans la chambre centrale. Alarme. Xéno détecté. Capitaine, le Big Boss. Space Marine ! Qu'est-ce que vous cachez ici ? Peu importe, ça va pas ça. Repoussez les ponts verts, capitaine. La source ne sera bientôt plus reliée au générateur. À la salle ! Ensuite dans sa boîte. Tu veux, Space Marine ? Alors je vais me le prendre.
la pierre de l'infinité. Oh, Titus est tellement balèze. Sidonius, Leandros, répondez. Capitaine, l'inquisiteur nous assurait que vous ne pouviez pas avoir survécu. Pourtant si, et j'ai sa précieuse source d'énergie. On s'est donné rendez-vous au centre d'habitation Andris. Ces tunnels finiront bien par nous y conduire. Bien. Continuez vers le centre d'habitation. Pas le temps de niaiser. Faire attention, il y a des ondes. Bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça.
D'accord. Dangereux. Merci. Ouais, je sais pas où il allait. Ah, faut les flinguer, faut les défoncer, les découper. Adeptus à Sartes reconnu. Chapitre ultramarine. Fuseur. Même ici, les technogures vénèrent leur dieu machine. Alors, le fuseur. D'accord, ils l'ont mis à la place du sniper, ouais, pourquoi pas.
On va le garder s'ils disent que ça fait de lourds dégâts. Dès qu'un gros va se pointer sur moi, bam! Un peu long cette phase là. Vite, cassez-vous. Dommage. Fureur du... Hein? Votre fureur utilise le fureur beaucoup. C'est un jeu. Ok. Il y a eu une amélioration. C'est fermé. Allez, on est parti. Ah, mes potes sont là. Capitaine Titus,
Bonjour, mes frères. Vous savez quelle est notre position? Nous nous trouvons près d'un point d'accès à la surface. L'air semble un peu plus sain. J'en ai assez des tunnels. Sortons d'ici et trouvons l'Inquisiteur avant que les orques le fassent. Putain, je suis mauvais au tir. D'avoir ouvert le chemin. Purée. Enfin, un chemin vers la surface. Les gobelins, ils... Il y en a combien là sur le ciel au-dessus de la tête. On a rendez-vous par là-bas. On en tue, on a tout. Quel peut bien être l'objectif des orques en en massacrant un si grand nombre? Semer la terreur. Démoraliser la milice. Cruel, mais efficace. Ce n'est pas une stratégie guerrière. Pour les orques, c'est un loisir. Bon, avance toi. Les provisions médicales sont épuisées. Il n'y a pas de place pour eux dans l'île sud.
Mettez-les au deuxième niveau. C'est plein. C'est là que je déplace les mourants. Alors c'est la fin. Fermez les portes. Vous fermez l'infirmerie? Nous sommes submergés. Nous devons nous concentrer sur les blessés déjà sur place. C'est le seul moyen. Les serviteurs vont repousser la foule. Raditz vient d'arriver. Ah non, il y en a plein. Et Saiyan qui arrive. Dans leur capsule. En voilà encore des millions. Notre plan reste inchangé. Il faut évacuer l'Inquisiteur et la source d'énergie. Titus, s'ils s'emparent du Manufactorum, il nous faudra un bout de temps pour les faire sortir. Nous sommes des Ultramarines. Les orques ne sont pas un problème. Si on avait une semaine, peut-être. Mais en une semaine, les orques auront trouvé comment démonter les titans. Space Marine reconnue. Permission d'accès. Un canon laser? Ouais, c'est un sniper. Et je vous laisse poser. Ah, oh, c'était une sorte de fusil à pompe. Ouais. On va prendre le. Sniper. Oh là! Ah, j'ai peu. Centre d'évacuation de calme. Ces misérables xénos n'ont pas épargné la moindre structure. Ni âme qui vive. Seigneur Sharp, le fabricateur général de Graia est de mon avis pour la source d'énergie. Aujourd'hui, il a offert le Manufactorum Titan pour tester les capacités de l'appareil. Il y a un risque que la source d'énergie soit surchargée et qu'elle détruise tout le complexe. Mais c'est un risque qui en vaut la peine. Et le Technogure n'a pas besoin de savoir. Je suis surpris de vous voir. Il n'y a personne. Je ne savais pas où aller. Travailleurs, rassemblez-vous. On raconte que les Skitari sont morts. Je pense qu'ils ont raison. Une augmentation des absences des travailleurs a été observée. Les travailleurs indisciplinés seront punis. Caleb, qu'allons-nous faire? Super, on est bon.
Et pour leur descendre. J'aime pas les lasers, mais je trouve que c'est un bon sniper. Voilà, on va récupérer toute son énergie, pas toute sa vie. Oula! Ouais, j'ai vu que je prenais cher, j'ai voulu rouler et... Enfin, j'ai voulu esquiver et après jeter des grenades, mais comme il était parti dans son mouvement d'attaque... Oh non! Viens là!
dommage. Ouais. Ça devient tendu là. Benjamin, changement de plan. Anna n'est pas revenue. Je pense qu'ils vont fermer définitivement tout l'étage. Je dois aller la chercher. Tu seras revenu du stock de ravitaillement avant nous. Dis à ta mère où je suis quand elle arrivera. Et restez où vous êtes. Emballe la nourriture au mieux. On dit que les orques ont déjà atteint le manufactorum. On devra partir dès qu'on sera tous ensemble. Je rentre bientôt. Je suis en train de crever. Oh non, putain! Putain, c'est pas possible!
Oh, et j'ai refait la queue, j'ai fait la conne. Au Seigneur Sharp, la source d'énergie a pu alimenter tout le Manufactorum Titan. Une prouesse remarquable. Mais je n'ai pas oublié mon objectif sur Graia, Monseigneur. J'ai consacré ma vie à l'extinction du bataillon Xeno. Désormais, je vais utiliser la source d'énergie dans une arme qui exploite toutes les faiblesses de notre ennemi Xeno. Allez, hop. Voilà. Oh. Alors. Faire vos crânes collectés. Ouais. Focus. Ouais. Technogures vont devoir démolir toutes ces structures, puis reconstruire. Par-dessus un gigantesque cimetière. Là-bas, Drogan nous a indiqué ce monument. Vermis.
Ah, enfin. Inquisiteur Drogan, on doit vous sortir de cette planète avant d'être envahi par les orques. Vous avez été exposé à la source d'énergie non protégée? Dans la salle du générateur, je l'ai vu. Vous avez tenu de l'énergie pure provenant du warp? Comment avez-vous pu survivre à cela? La source d'énergie canalise les pouvoirs du warp? L'œuvre du chaos. Hérésie! Mon œuvre contre les Xéno à la bénédiction de l'Impérium. Votre œuvre bénie peut-elle nous aider contre les orques? Sachez que mes recherches sont absolument confidentielles. L'Impérium interdit son utilisation sans autorisation. Disons que ceci est votre autorisation impériale. Bon, très bien. La source d'énergie alimente une arme expérimentale située dans mon complexe. Le fléau psychique. Il pourrait anéantir les orques. Et vous n'avez jamais songé à nous parler de cette arme avant aujourd'hui? Le fléau psychique n'a encore jamais été testé, sergent. Si un problème survenait, il pourrait fendre la planète en deux. Nous n'avons pas le choix. Il faut utiliser l'arme. Et tenter notre chance. Le fléau psychique se trouve dans le complexe Kalkis. Il s'agit de mon laboratoire de recherche. Il est assez loin d'ici. Il va nous falloir un moyen de transport. Capitaine, nous sommes près du plaza où se dirigeait le lieutenant Mira. C'est le point de ralliement de la garde impériale. Ils auront des Valkyries. On pourra voler vers le complexe de recherche. Trouvons cet avant-poste de la garde impériale. Ok, allons chercher un vaisseau. Ah bah non, tu peux pas une pièce comme ça sans rien dedans. Ah oui, les crânes, c'est peut-être les trucs que j'ai ramenés. Dieu machine. Non, des dieux machines. Non, un dieu. N'arrive pas à contacter les postes de provision 6 ou 8. Yeah.
Oh non! Gan est vivant. Je n'arrive pas à croire qu'on ait survécu. Inquisiteur, votre blessure nous ralentit. Je peux y arriver. Mes frères, emmenez-le au Valkyrie. Je vais éloigner les orques et je vous rejoins. Alors donnez la source d'énergie au sergent, capitaine. Non, Drogan. Le chef orc voulait la source d'énergie. Quand ces orques verront que je l'ai et plus vous, c'est moi qui suivrai. En avant. Comment atteindre le point de rassemblement? Le bastion Primus se trouve par ici, mais ce territoire appartient aux orques. Allez. N'apportez pas d'effet personnel dans les centres d'évacuation publique. Que je prenne un réacteur dorsal.
Oh. Fassiez, capitaine. Continuez. Les peaux vertes se dirigent vers vous. Ils nous laissent le champ libre. Les poux. Ouais, si, ça a l'air parlant. Yeah.
Je ne suis qu'un instrument de l'Empereur, soldat. Maintenant, indiquez-moi la concentration d'orques la plus proche. Oui, monseigneur. Marcis Plaza est après ses habitations. Belle fourmi de ces monstres. Plus pour longtemps. Voilà. Ah oui. Ah ben. Capitaine, nous avons le bastion de la garde impériale en visuel. J'ai failli mourir. Et tiens, hop, prends ton sceptre. Pas mal la phase où cette mag. Peu de carburant. D'accord. On l'avait eu tout à l'heure, mais on n'avait pas gardé longtemps. Ici le commandement Primus. Des orques dans
Sidonius m'a parlé de l'Inquisiteur et de son arme à la puissance apocalyptique. Il m'a dit que vous aviez besoin d'un transport jusqu'au complexe Calkis. On va tirer sur le moyen le plus rapide qui arrive. Et on n'a pas de temps à perdre. Vos hommes sont déjà à bord de leur Valkyrie et l'escadron est fin prêt pour le décollage. Vous arriverez à Calkis dans les meilleurs délais. Il est temps que la garde impériale prenne l'initiative sur les armes. Allez! Dans le Valkyrie! Pilote, ici le lieutenant Mira à bord de Valkyrie 1. Attention, engin orc en approche. Capitaine Titus, il me faut un tireur pour manier le bolter lourd. Bon, je sais pas si c'est répondez, lieutenant. C'est de ma faute. Valkyrie 2 touché. Je demande un transport immédiat. Ah, je me suis gouré de fusil. Que vivre pour soi-même.
J'ai vu qu'après, quand j'ai tiré la première fois, j'ai vu que c'était un fusil à pompe. Lieutenant. Valkyrie 2 touchée. Je demande un transport immédiat. Eh merde. Répondez, lieutenant. Valkyrie 2 touchée. Je demande un transport immédiat. Je serais bien arrêté ici, mais je sais pas si je suis près de la fin ou pas. Ouais, si, je vais faire ça. On va s'arrêter là, en fait. Je sais pas si je suis proche de la fin ou pas. Je sais pas combien il dure le jeu, s'il dure 15 heures, s'il dure 7 heures, si c'est 4, si c'est 5. Si c'est 20. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là. Comme je le disais, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous permet de découvrir un tout petit peu, être un, comme on dit, un orteil dans cet océan qui est Warhammer 40 000. C'est la franchise de Warhammer 40 000. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures. On fera la suite samedi. Très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.